Tiens, coucou, vous revoilà. Salut la team, comment ça va? Allez, c'est parti pour une nouvelle mission, on va dire. Là, je me trouve à Chaulnes. Je viens d'aller livrer un client à Chaulnes. Ça se trouve dans la Somme. Et je m'en vais sur Amiens. Après 200 mètres, tournez à gauche. Oui, Sophie, vous avez entendu Sophie. Bon, j'espère que vous allez bien. La team se porte bien. Allez, on se retrouve à gauche. En face. Allez, on se trouve dans le petit village de Chaulnes, dans la Somme. Et là, on va aller direction... on se dirige sur Amiens. Bon, alors là, c'est une vidéo POV. Il y a longtemps que j'en ai pas fait une. Il fait beau aujourd'hui, ça va. Alors, on a eu pas mal de flotte là tous ces jours-ci là. Et beaucoup de vent aussi. Je me suis dit, tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait une vidéo POV là. On va se faire ça. Ah, il est en train de faire des réparations là sur le toit du garage, il doit y avoir des fuites. Après 200 mètres, allez tout droit. J'étais en matière dangereuse et je vais recharger de la matière dangereuse. Bon, allez, je suis sur une petite route, là, il y a une déviation, là, sur la route principale qui mène à Amiens. La route est barrée. Donc, ça me retarde encore un peu plus pour aller livrer, aller charger, je veux dire.
Et là, on vient d'appeler le client, c'est bon, je peux y aller pendant midi, il charge pendant midi. Parce qu'après, j'ai un enlèvement aussi à faire à côté de Orléans. Donc, le temps que je monte d'Amiens à Orléans, ça risque de faire trop tard. Et là, je charge que de la matière dangereuse en plus. Donc voilà. Marc, c'est joli les petites routes comme vous aimez de campagne. Donc normalement, on devrait tourner à 1 km. 1 km à gauche. Donc je suppose que c'est au carrefour qui est là. Tout droit, tenez la gauche. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Je connais pas du tout par ici. Hein. Après 300 mètres, tournez à gauche. On arrive à la Râperie, commune de Proyard. Ah ouais, d'accord, on rejoint l'axe Saint-Quentin-Amiens. Tournez à gauche. On voit bien la déviation là. Très bien la déviation. J'ai resserré un petit peu la molette de ma caméra pour pas qu'elle descende. Bon, j'espère que c'est ce petit POV là qui a longtemps que j'ai pas fait, que tout le monde réclame, vous plaira. Les prairies là, les champs, ils sont bien verts avec la flotte qui est tombée là, même l'herbe sur les bords des routes a bien poussé. L'année dernière on avait la canicule, mais là c'est de la flotte, du froid. Elle commence à faire un peu meilleur le matin, il y a moins de gelée. On est sur la D1029. On arrive à la Motte Warfusée. Regardez un peu les pneus de tracteur là, les pneus agricoles. Un paquet. Hein. Atelier agricole poids lourd, centre auto. Voyons là, il y a un paquet de pneus par ici. Hein. Regardez le clocher, il a pas de l'église là du village, elle a pas de, elle a un clocher mais il y a pas de tuiles sur le clocher. Bizarre. Village de la Somme.
Amiens à 29. Voilà. Petite bosse là. Là, ils ont fait des patates. Les champs que vous voyez là à droite, marron, et à gauche, c'est les pommes de terre. Ils les ont butées. Ça fait des buts. Ça va, on a un peu de chance en ce moment parce que les vidéos que je sors, bah généralement il fait beau. Il y a eu un petit peu de pluie là sur la vidéo d'avant là. Alors là, on va arriver encore dans un autre petit village. Là, je suis à 28 km d'Amiens. Enfin, 28 km de mon client. Amiens, peut-être. Ouais, c'est à peu près autant. Parce que ça se trouve dans la zone industrielle nord. Ah, c'est vraiment bien là, le GPS, là j'ai toujours mon TomTom Go professionnel là, que je vous ai présenté là. Et vous voyez, on disait le trafic info, il fonctionne très très bien. Traverser le rond-point. Parce que tout à l'heure j'étais sur une petite route et la route était barrée beaucoup plus loin et il m'a bien annoncé la déviation bien avant. Donc c'est ça qui est utile aussi sur GPS là, c'est que si vous avez une route de barré automatiquement, il vous fait faire une déviation quoi, il vous l'annonce. Allez, c'est en train de couper l'herbe sur le bord de la route là. Et il m'a remis sur le bon itinéraire, hein. Il y avait des panneaux déviation. En fait, même sans suivre les panneaux déviation, il me faisait prendre la bonne route. Hein. Vous avez toujours le code promo, hein, si vous allez sur la vidéo là, du TomTom, là, Go Professionnel. Vous allez sur la vidéo, vous avez le lien en description et vous avez 20% de remise en cliquant directement dessus. Après, vous n'avez plus qu'à commander. Franchement, c'est un très bon GPS. Dans tous les GPS polluants que j'ai eu, c'est celui-ci le. Traverser le rond-point, deuxième sortie. C'est celui-ci le meilleur pour l'instant. Il suffit de bien le paramétrer surtout. Parce que vous pouvez le paramétrer sur le GPS, mais il faut que vous paramétrez aussi
sur l'application du téléphone. Parce que c'est deux choses différentes. Parce qu'en fait, c'est l'application du téléphone que vous tapez vos adresses. Donc, si vous avez pas, vous avez pas mis les gabarits sur l'application du téléphone, bah, vous aurez des problèmes. Parce que ça sera pas les bons itinéraires. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien le faire sur le téléphone, sur l'application du téléphone. La hauteur, la longueur, le poids, enfin tout ce qui est à mettre, et sur le GPS, sur les deux. Parce qu'il y en a beaucoup qui le paramètrent mal et après ils disent ouais mais non c'est pas bon parce qu'ils sont mal paramétrés leur truc. Bon là on est derrière un tracteur. Alors déjà que je suis en retard, alors là. J'espère qu'il va pas m'envoyer trop loin. Le problème, c'est que les gars, la plupart du temps, leur clignotant fonctionne même pas. Tu vas m'emmener comme ça jusqu'où, toi? J'ai dit mat. Là parce qu'autrement je sais pas où il va lui. Et puis les routes ils sont défoncées là. Enfin la route par elle-même elle est propre, alors dans le village là il ferait bien de refaire le goudron. On sort de Villers-Bretonneux. Arrivons à côté de Glizy, je crois que c'est. On va regarder. Traverser le rond-point, deuxième sortie. Amiens. Jackie, ah, j'ai croisé Jackie là, c'était marqué sur son camion Jackie. J'ai dit salut Jackie. Kaiditeuf. Il y en a des moutons là.
300 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, puis allez tout droit. Traversez le rond-point, deuxième sortie, puis allez tout droit. On arrive à Amiens Nord. Prenez la sortie. Tout droit, tenez la gauche. Picardie poids lourd, Mercedes. Ah bah tiens, ils sont là eux. Après 800 mètres, tenez la gauche. Tenez la gauche. Bon là, je suis sur la rocade, hein, la rocade qui est à Amiens. La rocade d'Amiens. Concessionnaire Honda. Ah, la sortie Glizy, elle est là. Oh, ça s'assombrit d'un seul coup là. On aurait de l'eau, que ça m'étonnerait pas. Vas-y, roule, la dire. Dire du Nord. C'est pas la bière du Nord, c'est dire du Nord. PKM. Allez, on sort à 3 km là. Il reste 4,5 km pour aller chez mon client. Et là, on sort dans 2 km. Regardez un peu la grosseur de la pelleteuse là. Ah bah non, c'est pas une pelleteuse, c'est un broyeur, c'est une grue pour la ferraille avec un aimant. Et après il broie la ferraille. Je crois que c'est une grue, merde. Moi, je devrais t'arriver pour 11h30. Après 800 mètres, prenez la sortie. J'espère qu'ils... Normalement, ils chargent pendant midi. Hein. On les a appelés. Prenez la sortie. Sérigraphie Picard. Thank you.
on arrive dans la zone industrielle nord de d'Amiens. Espace industriel nord, bah, c'est marqué là. Il y a beaucoup d'usines chimiques hein, ici. S24, station poids lourd. Après 200 mètres au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie, puis prenez la deuxième à droite. Oui, Sophie. Au rond-point, tournez à gauche. Bon, allez, ça y est, on a chargé à Amiens. Maintenant, direction Artenay, dans le 45. Alors, autant après vous dire que je suis pas. Rond-point, tournez à droite, première sortie. Je suis pas en avance, là, parce qu'il m'annonce 17 heures à arriver à. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Arrivé à Poupry. Et là, je suis en matière dangereuse, hein, donc. Donc on est limité sur la vitesse. Donc là j'ai exactement 266 km pour aller jusqu'à Orléans. Après 300 mètres au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie. Au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie. On aperçoit la cathédrale d'Amiens là juste en face là-bas. Mais elle est loin. Vous la verrez pas. Moi je la vois mais pas vous. Sur le tutu. Après 800 mètres au rond-point, tournez à gauche, deuxième sortie. On va récupérer l'autoroute A26. Hein. Non, c'est la 16. Prenez la sortie, puis tenez la droite. Je sais pas pourquoi je dis la 26, moi, mais c'est vrai, c'est la 16. Après 200 mètres, tenez la droite, puis prenez l'autoroute. Tenez la droite, puis prenez l'autoroute. Bon, j'arrive à Saint-Ouen-l'Aumône là.
je viens de passer la zone de Saint-Ouen-l'Aumône et je vais arriver à Cergy-Pontoise. Là, GPS, il m'annonce 3 minutes 50 de bouchon. Et arrivé à 17h chez mon client. J'espère que je vais pouvoir charger ma palette. On verra bien. Après 800 mètres, tenez la gauche, puis tenez la gauche. Là, il commence à flotter. J'ai reçu quelques gouttes d'eau déjà tout à l'heure là. Tenez la gauche. Nous on va prendre Saint-Germain-en-Laye. National 184. Je suis obligé de passer par ici là en matière dangereuse parce que autrement la 86 tout ça c'est interdit. Enfin pas toute la 86 mais il y a des endroits où c'est interdit. Alors ici il y a une série de feux là, il y en a pour on perd un temps immense en passant par ici là, enfin en passant, c'est pas en passant, c'est qu'il y a beaucoup de feux et quand vous en prenez un au vert, vous les prenez tous au rouge. Vous en prenez un au rouge je veux dire et vous les prenez tous au rouge. Et il y en a sur toute l'avenue là. On arrive à Conflans-Sainte-Honorine et on se trouve sur la nationale 184. Il reste pas longtemps ouvert.
Ah, la porte du radar, elle est ouverte. Regardez, là on traverse la Seine. On voit les péniches là dans le bas là. C'est en attente. Là sur la droite, vous avez Poissy. On va arriver à Saint-Germain-en-Laye. Je vais récupérer la Nationale 13. On va monter vers Louveciennes. La 12. Magasin de vélo là. À la fin de la route, tournez à gauche. Ah, ici c'est souvent le bordel dans le carrefour. Parce que vous avez les feux qui passent au vert, les autres qui passent au rouge. Les camions qui n'ont pas le temps de passer. Et là, ça va parce qu'il n'y a personne. Mais quand vous passez aux heures de pointe ou qu'il y a des bouchons, là, c'est un peu le bordel. Tournez à gauche. Là, c'est limité à 70 dans la descente là. Et après c'est 50. Bas, ça redescend à 50.
GPS me l'annonce. Je suis au-dessus de la vitesse là. On arrive à l'EPEC. Et le radar, il est là, là, sur la droite. Nous, on prend Versailles-Louveciennes. Tout droit, tenez la droite. Le port Marly. Après 400 mètres, tenez la droite. Regardez, qu'est-ce que ça fout là en vélo, franchement. À Marly-le-Roi sur un National 186. On est toujours dans la côte de Louveciennes, oh, qui mène à Louveciennes là. Ah, c'est pareil, il y a des feux tous les 400 mètres, tous les 200 mètres même.
on sort de Louveciennes, on va passer devant la discothèque, le Pacha Club. Qui va se trouver sur notre droite. Là, on va passer, regardez bien sur la droite là, la discothèque le Pacha Club. Voilà, ici. Récupérer l'autoroute à 12. Bon bah voilà la team, cette vidéo va arriver à son terme. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas, liker, partager, abonne-toi si c'est pas fait. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.